Mesdames et messieurs, bonsoir. Ah ben merde, j'ai quitté GPS4. Bon bah ben c'est noir. Merde. Bref, pendant que GPS4 se rallume. Évidemment, cette vidéo, il faudra juste écouter. Juste vous écouter ce que je suis en train de dire et ça passera nickel. Bon, là, normalement, GPS4 est réapparu. Voilà. Donc, cette vidéo est courte. Vous avez vu dans la dernière vidéo, j'avais parlé du fait que pendant la semaine de vacances, du coup, nous ne sommes plus en vacances, je referai, du coup, tout reviendra à normal. Ça veut dire qu'il y aura deux vidéos par jour, le mardi, jeudi et samedi. Bon, super. Sauf que je ne peux pas tenir ce rythme. Voilà, tout simplement, je ne peux pas tenir ce rythme pour le moment. Peut-être que parfois je pourrais tenir le rythme ou pas. Donc, je voulais juste vous dire qu'il ne faudra pas que vous soyez étonnés que parfois il n'y ait pas de vidéo par jour le mardi, le jeudi et le samedi. Pourquoi donc? Parce que nous arrivons dans la semaine... Enfin, dans la seconde partie du premier semestre pour ma part, qui est la plus importante, c'est celle évidemment de réussir mon premier semestre à la fac, qui est ultra important, et du coup c'est là où il y a le plus d'évaluations. Bon, pour le moment tout va bien, j'ai parfois de mauvaises notes, parfois de très très bonnes notes, donc ça va, mais je dois rester constant. Et sauf que j'ai, par exemple, il y a dans 2 semaines, j'ai 3 contrôles, hein, voilà, 3 contrôles très très importants. Donc je ne peux pas me permettre de les louper, et je sais que GPS4, enfin, faire tourner des vidéos GPS4 peut me faire perdre un peu de temps dans les révisions. Du coup, ne soyez pas trop étonnés là-dessus. Voilà. Donc ne soyez pas trop étonnés. Si parfois je n'arrive pas à faire 2 vidéos par jour pour les mardis, jeudi et samedi. Du coup, on va faire comme ce qu'on avait fait pour les vacances. Hein. S'il n'y a pas 2 vidéos par jour, par exemple cette semaine il n'y aura pas 2 vidéos par jour, ça c'est obligatoire. Vous aurez 1 vidéo par jour, mais voilà, donc ça veut dire que s'il n'y a pas 2 vidéos par jour le mardi, le jeudi, le samedi, ça veut dire qu'à 20h vous aurez seulement 1 vidéo et ça sera pas de la France, ça sera de l'URSS, par exemple. Bon, aujourd'hui c'est exceptionnel évidemment parce que je fais cette vidéo, c'est très important que je vous le dis. Je suis en période de fort examen, il y a beaucoup d'examens qui vont arriver jusqu'aux vacances d'hiver en fait. Hein. Je n'aurai quasi aucun répit, hein. J'ai des DST, droit du travail, macroéconomie, finances publiques, droit des collectivités territoriales, etc. etc. Les stats, évidemment, plein d'autres matières. Donc je ne peux pas me permettre en fait de ne pas travailler. Donc voilà, c'est pour ça que vous aurez du coup très probablement 1 vidéo par jour, hein, cette semaine, même dans les prochaines semaines, c'est très probable. Donc ne soyez pas très étonnés et au moins vous êtes au courant parce que j'ai fait cette vidéo tout simplement pour vous prévenir. Et ceux qui ne savent pas, eh bien vous leur direz en commentaire parce que des fois je envoie et du coup j'ai vraiment pas envie de répondre. Mais si vous envoyez, soit vous répondez pas et je comprends parce que moi aussi j'ai pas envie de répondre, soit vous envoyez directement la vidéo en commentaire, voilà, comme ça les gens ils vont comprendre, etc. Je ne peux pas répondre à tout le monde, c'est comme ça, parce que j'en ai pas envie, ou alors parce que je ne suis pas concentré pour pouvoir vous répondre, donc c'est un peu normal. Bref, mesdames et messieurs, je suis désolé de vous annoncer ça, mais bon, hein, pour que nous et, vous, et moi, nous ayons, que vous ayez des vidéos et que moi j'ai du temps, on va dire, à consacrer à réviser et à travailler, évidemment, mes TD, etc., ben, je me permets du coup de vous impacter, vous, en réduisant le volume de vidéos qui va être publié sur ma chaîne. Et du coup, ben voilà. En plus, vous êtes assez nombreux à regarder, même de plus en plus nombreux. On vient de dépasser un seuil. Donc c'est super. Enfin bref, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que vous n'allez pas trop m'en vouloir. Normalement, vous n'allez pas m'en vouloir parce que vous êtes une communauté fantastique qui est assez compréhensif. Compréhensive. Une communauté compréhensive, oui, compréhensive. Du coup, ça ne m'étonne pas trop que vous compreniez mon avis. De toute façon, vous n'avez pas trop le choix, en fait.
Mais enfin bon, voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée. Salut à tous. Et du coup, demain, vous aurez du GPS4 avec la... C'est vendredi, du coup, avec la France. Passez un très bon 11 novembre, une très belle journée d'armistice du 14-18, de la guerre de 14-18. Et je vous souhaite une très bonne soirée et une très bonne journée pour ceux qui me regardent vendredi ou les autres jours. Salut à tous.